temps, près de soleil monde, se cache un trésor. Le chien fut fabriqué par des Newtons. Les Newtons habitaient dans une grotte. C'était si petit qu'ils ne dépassaient pas la hauteur des genoux. Ils avaient les grands yeux noirs. Le jour, la chèvre d'or était gardée par des animaux fantastiques. À la nuit, une fée qui donnait de la vie à la chèvre d'or. La chèvre pouvait gambader partout. Plusieurs habitants voulaient prendre la chèvre d'or. Ceux qui ont essayé sont jamais revenus. Un aventurier courageux voulait prendre ce trésor. Il fallait d'abord avoir une bougie. L'aventurier franchit les grottes sous terre. Avec sa bougie. Il examina les coins et les recoins de la grotte. Il chercha tellement longtemps qu'il n'avait plus de bougie. Il alluma une nouvelle bougie. La bougie pétillait de plus en plus fort. Lorsque cette année, brusquement, c'était le signe. La chèvre était là, brillante de mille feux. L'aventurier prit la chèvre et remonta à toute vitesse de la grotte. Kekin, je te tiens. Je te tiens bien. Malheureux. Il avait oublié que celui qui ouvrait la bouche, il était destiné à ne jamais réussir. Le fil magique se brisa. La chèvre d'or s'évanouit. Le lendemain et les jours suivants, l'aventurier cherchait ce trésor perdu. Mais cependant, il ne revit plus jamais cette coquine de chèvre d'or.